Joseph, il se perd dans le grand magasin. Puis la grande voix du magasin, elle dit « Le petit Joseph est attendu à l'accueil du magasin. Il s'est caché parce qu'il ne veut pas retourner, il veut rester avec tous les grands jouets. » Parce qu'il trouve que le monde des grands, c'est... Et il y a le soldat rose, quand les jouets ne veulent pas l'accueillir, ben, lui, le soldat rose, il vient l'accueillir. L'accueillir. Oui, voilà. Après, je sais plus. Allez, gars. Et il y a pas un qui peut me résumer l'histoire du soldat rose 1 hein? Oh, c'est très simple. En fait, Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde revolver jusque dans ma mémoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde plus tout droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un œil ouvert du lundi au dimanche, je suis pour tout univers, rien que de la méfiance. Gardien de zoo, c'est trop peinard. C'est pas souvent que les pingouins parlent. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sur mon pyjama gris, je garde plus de droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un œil ouvert, je lundi au dimanche, pour tout l'univers, rien que de la mafia. Gardien de but, c'est trop fastoche. Suffit d'enlever les mains de ses poches. Les gardiens de nuit, c'est plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil.